Bonjour. Alors aujourd'hui, on va faire un tag, comme vous voyez, avec les tampons de la marque Globeland, de ma dernière commande. Donc, c'était ces deux-là, plus un très grand, mais aujourd'hui, on va utiliser ces deux-là. Et on va aussi utiliser celui-ci, que j'avais eu dans un lot, automne, hiver, printemps, voilà. Et celui-là, j'ai pris l'automne, donc on va utiliser celui-là. Et on va utiliser, où est-ce qu'ils sont, ce petit champignon-là et celui-là. Voilà. Donc, j'ai colorisé ces deux petits éléments. En voilà un. Et avec les petits champignons, j'ai fait un tag. Et j'ai mis une attache parisienne vers après. Donc, voilà. Toc. Pour faire le fond de ça, je vais prendre des encres Distress. Donc, celle-ci. Celle-ci et la mustardie ici en ink parce que je ne l'ai pas en oxyde. Donc on va commencer par elle. Hop. J'ai pris des petites brosses. Non, je vais mettre au milieu. On est parti dans des couleurs d'automne parce que ça y est, c'est l'automne. C'est la période des champignons. On va mettre un petit peu de jaune, juste comme ça. Voilà, pour le moment, on a ceci. Alors, maintenant, je vais utiliser cette planche de tampon. J'aurais voulu faire un petit effet, pas facture, mais quelque chose un peu, ouais, un peu comme ça, quoi. Alors, je vais prendre ma Versafine noire. Un peu de place. Je vais donner... Regardez pas mon plan de travail, j'ai de la colle partout. Allez, voilà. Alors, on va commencer pour le haut par celui-ci. Comme je vous le disais dans les précédentes vidéos, je suis un petit peu dans le vintage en ce moment, donc... J'aime beaucoup tout ce qui est étiquette, tout ça. Donc, je fais des créations sur lesquelles je vais pouvoir mettre tout ça. Par contre, j'ai plus de Versafine et ça se voit. C'est pas très bien tamponné. Là, je vais mettre celui-là. Ensuite, je vais prendre celui-ci, je vais le mettre sur le côté. Voilà, il est chouette celui-ci aussi avec les chiffres.
Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ça peut-être. C'est tout simple. Hein. C'est vrai que quand on a les tampons, c'est facile. Voilà. Je vais mettre ça, il y aura une petite addition. Je vais mettre deux fois. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Je vais mettre celui-là. Il n'est pas droit. Oui, j'ai vraiment plus d'encre. Hop, hop, hop. Et vu que je laisse des petits espaces, c'est pas, ils sont pas collés côte à côte, quoi. Ça fait un peu d'air. Et à la fin, j'ai envie de mettre, non, pas celui-là. J'ai déjà mis celui-là. Voilà. Droit. Tout en bas. Voilà. Je vais pas en rajouter parce que je pense que là c'est pas mal. Voilà. Aussi me préparer avec le second des petites étiquettes. Hop. Celle-ci. J'ai pris des chutes hein, pour faire ça. Ça manque vraiment de noir. Voilà une. Et puis l'autre, je vais mettre. Ça. Je vais prendre. Minière, ça marche pas. Je vais prendre mes distress, ça sera peut-être mieux. J'aurais pu y penser avant. Oui, c'est mieux. Voilà. Du coup, je vais refaire l'étiquette qui est là. Je vais faire aussi là-dessus. Ah, pas sûr que ça rentre. Si, là, ça va être bon. Voilà. Il n'y a plus qu'à ranger ça, je les rangerai après. Voilà. Ensuite, je vais prendre celui avec les petites choses là, que vous pouvez faire avec n'importe quel autre tampon. Hein. C'est vrai que... Qu'est-ce que je pourrais mettre
champignons, j'essaie d'en mettre un là. Voilà. Oh, ça va être tout parce que là, après, je vais recouper un petit peu. Donc, ça sera tout. Alors, c'est là qu'interviennent les petits sujets. Il faudrait que je découpe mes étiquettes avant. Un petit peu blanc, je vais mettre hop. Voilà. Voilà. J'ai pas le coloris, j'ai envie de mettre petite feuille, peut-être ça. Là, peut-être un peu. Allez, voilà. Voilà. Il me reste à mettre un petit trou pour passer mon attache parisienne. Que ça passe, je vais faire un plus gros trou. Alors, ah, ça va être beaucoup mieux, ça va aller plus vite. Et voilà. Un petit tag d'automne terminé. Voilà. Donc, c'est tout simple quand on a effectivement des tampons comme ça qui peuvent se mélanger ensemble. C'est super sympa. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette petite série de tampons. Étiquettes, numéros, il y a des chiffres partout. Et sincèrement, c'est bien sympathique. Donc, vous n'oublierez pas d'aller voir en barre d'infos. Il y a tous les liens, il y a les liens vers la boutique, les tampons s'il y en a encore, mais s'il n'y en a plus, sachez qu'ils sont réapprovisionnés relativement rapidement, on va dire une petite quinzaine de jours, et vous pouvez à nouveau revenir sur cette vidéo et essayer de les trouver, donc voilà, les liens ils seront de toute façon. Voilà pour aujourd'hui, bah, écoutez, je vous fais des gros bisous.
J'espère que vous avez aimé ce petit tag automnal. Et je vous dis à très bientôt. Bye.